Bien, en avant-première pour Actua BD, nous avons été autorisés à rentrer dans l'espace manga, qui est l'espace monté par le festival chaque année et qui s'agrandit cette année, donc espace qui est vraiment provisoire pour ces 4 jours, avec un souci de montrer, on rentre dans une ville japonaise, Manga City, donc avec effectivement tous les techniciens qui sont en train de s'affairer et de monter les différents stands éditeurs, bien entendu. Alors, on a quand même une scénographie avec des monuments, des petites boutiques, et on reconnaît l'espace Taïwan, toujours très très fourni de talents, d'expositions de planches. Et là, on peut voir certains éditeurs qui commencent à monter leur boutique. Donc, un espace qui va bien entendu attirer les plus jeunes, les fans de manga, hein, qui est une grosse partie de la production actuelle. Voilà, donc je vous laisse regarder tous ces gens qui s'affairent. Nous sommes à J-1, demain c'est la journée presse et le festival commence jeudi. Donc vous voyez effectivement un espace de plus de 1200 m² où nos amateurs de manga vont pouvoir faire des queues interminables pour se faire dédicacer leurs bijoux préférés.